Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de janvier 2024, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, évidemment. Et on commence avec le soleil qui est en Capricorne hein, jusqu'au 20. Donc, ce n'est pas le mois le plus rigolo. Il faut vous concentrer hein, au quotidien, dans ce que vous faites. Il y a du boulot, on peut dire, puisque le soleil occupe votre secteur de boulot, de travail. Et quand même, avec le soleil, on brille, on se fait remarquer. Donc, vous mettrez votre énergie dans un perfectionnisme, une volonté de bien faire qui fera que effectivement on vous remarquera pour votre aptitude hein, à faire les choses bien, à bien vous organiser. Vraiment, hein, vous serez efficace. Après le 20, le soleil entre en Verseau, il sera face à vous, dans votre secteur des unions, associations, qui représentent vos rapports avec les autres en général, mais il sera accompagné par Pluton, donc ça veut dire vraiment quelque chose. Et je vous conseille d'aller voir notre vidéo du 21 mars 2023, parce qu'elle vous explique exactement le rôle que va jouer Pluton dans votre vie et surtout dans votre relation avec les autres et avec le monde en général, avec tout ce qui se passe dans le monde, les changements et tout ça. Ça va vous toucher personnellement. Vos activités à présent avec Mars qui rentre elle aussi en Capricorne le 4 janvier, donc dans votre secteur du travail, ce qui signifie que vous allez certainement avoir plus de travail que d'habitude, hein, que vous allez être un petit peu au four et au moulin, comme on dit, et que bon, seule une bonne concentration peut vous aider à prioriser tout ce que vous avez à faire les choses les unes après les autres, et à persévérer. Avec Mars en Capricorne, il y a des énergies, hein, elles sont à votre service, et ce sont des énergies qui vous permettent de persévérer et d'être plus déterminé que jamais. Mars étant quand même une planète un peu de conflit, hein, vous ayez un petit conflit à gérer avec un collègue ou avec un supérieur. Donc, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Hein. C'est vrai qu'avec Mars en secteur 6, on peut se prendre la tête hein, sur des détails parfois. Et comme vous êtes assez... vous vous vexez facilement, il est très possible que quelqu'un ait commis une petite bévue hein, où vous êtes vexé et... Bon, ne le prenez pas trop mal, hein. Soyez au-dessus hein, de tout ça, parce que hein, vous êtes un lion, après tout, hein. Vous dominez naturellement, hein. Vous avez un sens de votre place dans le monde qui fait que vous vous sentez un petit peu au-dessus des autres. Mais c'est peut-être justement ce que vos collègues peuvent vous reprocher. Du côté des sentiments, une très jolie Vénus en Sagittaire. En tout cas, pour vous, elle est extrêmement bien placée. Elle est dans votre secteur 5, secteur sentimental, de création, de plaisir aussi, de jeu. Et on sait à quel point le lion peut être joueur. Hein. Donc, vous allez vous amuser avec cette Vénus en Sagittaire. Vous allez passer des bons moments. Votre cœur va peut-être battre plus vite ou plus fort, hein, parce qu'il y a une intensité, il y a une amplification des sentiments avec Vénus en Sagittaire. Simplement, les trois premiers jours du mois, elle va être en dissonance avec Saturne, donc elle sera un petit peu moins joyeuse. Peut-être qu'il y aura eu un événement pendant les fêtes qui aura attristé tout le monde, mais bon, ce sentiment de tristesse ou parfois d'isolement pour certains, passera
extrêmement rapidement. Et par la suite, vous pourrez profiter à fond des influx très chaleureux, très sympathiques, très communicatifs aussi de cette Vénus du Sagittaire. On vous appréciera, vous arriverez quelque part, tout de suite, on vous trouvera sympathique, on aura envie d'être ami avec vous, voire plus, hein, si affinité. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, eh bien, vous n'aurez qu'à faire un petit peu du charme et ça se passera très bien, hein. On vous appréciera automatiquement. Hein. Alors, le 4, le 8, le 17 et le 22, voici les meilleurs jours de votre mois de janvier, parce que ce sont justement des jours où vous pourrez briller, attirer l'attention et faire en sorte de séduire qui vous voulez séduire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.